Bonjour à tous, ravi de vous rejoindre pour ce live, donc live NeoDeal qu'on réalise régulièrement, une fois par mois. Le but, c'est de vous partager un maximum de bonnes pratiques pour vous aider dans votre stratégie de prospection sur LinkedIn. Juste avant de commencer et voilà, qu'on traite aujourd'hui la thématique qui va être de l'intégration des contenus dans votre stratégie de prospection avec un invité. Alexis, qui est un expert sur le sujet, qui pourra justement aussi nous accompagner, nous aider sur ces thématiques-là. Je vais juste faire un tout petit peu comme d'habitude, vous demander, un, si vous m'entendez bien, deux, de ne pas hésiter à nous saluer dans le chat pour bien voilà, dire que vous m'entendez bien, vous me voyez bien, et puis on va commencer très très bientôt. Voilà, juste le temps que les personnes se connectent. Donc, je vous remercie à tous hein, pour votre présence. Donc voilà, je vois que a priori normalement vous m'entendez. Salut David, salut Frédéric, salut Anne, salut Eve, salut Alexia, salut Thierry. Voilà, salut à tous. Bah écoutez, parfait. Je pense que tout le monde est en train d'arriver. On s'entend bien, on se voit bien. Et donc, bah écoutez, on va commencer tout de suite et discuter aujourd'hui de la thématique qui va nous intéresser, qui va être l'intégration du contenu dans sa stratégie de prospection. Et donc, sur ce sujet-là, on vous a préparé aujourd'hui un live qui va prendre différentes parties. Donc, je vais vous présenter un peu les différentes parties du live qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, première question, on va se demander bah, pourquoi votre prospection ne fonctionne pas. On va un peu évoquer ce sujet et voir quelles sont bah, justement les questions que vous devez vous poser. Et quand dans toute stratégie de prospection, il faut savoir parfois un peu se remettre en question et réfléchir. Deuxième chose qu'on va voir ensemble, c'est comment trouver des idées de contenu efficaces et puis comment intégrer ces contenus dans votre prospection LinkedIn. On terminera par une session de questions-réponses. Donc, je vous invite tous, si vous avez des questions, justement, à nous les poser dans le chat, d'accord, directement. Et on reprendra, justement, vos questions. On gardera un temps à la fin du chat pour pouvoir échanger avec vous directement. Et juste avant, bah, du coup, de commencer, je me représente peut-être rapidement pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Donc, moi, je m'appelle Lucas Tisse, je suis le fondateur de NeoDeal. Donc, NeoDeal, c'est un logiciel qui va vous aider à réaliser des actions de prospection sur LinkedIn. Donc, le but, c'est vraiment de vous aider à faire de LinkedIn une source de lead, une source de prospects pour votre business, pour votre activité. Donc, on va faire passer dans le chat le lien vers notre site internet. N'hésitez pas à le visiter et puis à prendre un rendez-vous si vous voulez avoir une démo de la solution. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 300 sociétés et l'objectif, c'est que LinkedIn soit une source de lead et de business pour votre activité. Et bah, je vais aussi le plaisir d'accueillir tout de suite Alexis qui va m'accompagner du coup durant ce live. Donc, salut Alexis. Salut Lucas, bonjour à tous. Comment tu vas, Alexis? Mais très bien, très bien. J'attendais dans les Alors, coulisses. bah, écoute Alexis, peut-être juste avant qu'on aborde les différents sujets aujourd'hui, tu peux te présenter quand même rapidement, nous parler un peu de ton activité, de ton expertise, et puis ensuite on enchaîne sur comment intégrer des contenus dans sa prospection LinkedIn. Ok, très bien. Ben Alexis, donc moi j'accompagne les entreprises sur LinkedIn et les entrepreneurs. Et pour ça, j'ai créé une société qui s'appelle Cause. C'est l'agence Cause avec mes associés qui sont spécialisés dans la vidéo exactement. Donc c'est typiquement le nerf de la guerre dans la création de contenu. Et donc je fais cette activité depuis une dizaine d'années. Alors je l'ai fait évoluer hein, comme tout le monde hein, de coaching à société à agence aujourd'hui, qui me paraît le format le plus idéal pour pouvoir répondre à l'interrogation du jour. Voilà. Voilà ce que je fais Top. exactement. Bah écoute, bah c'est pour ça que on a décidé chez Néodil du coup de t'inviter. On a pris contact avec toi parce qu'on sait que voilà, tu es un expert sur ces sujets de création de contenu et tu as aussi la casquette expert LinkedIn. Donc c'est parfait par rapport au thème qu'on aborde aujourd'hui. Et donc bah, je te propose qu'on commence tout de suite, Alexis. Et bah, le premier sujet qu'on va aborder ensemble, c'est déjà de se demander bah, pourquoi finalement la prospection ne fonctionne pas. C'est quand même. Voilà, un sujet important, c'est-à-dire que bah, la prospection, c'est quelque chose de difficile et quand on n'a pas l'impression d'avoir les résultats escomptés ou voulus, il faut se poser des bonnes questions. Et du coup, bah, justement, on a isolé ensemble quatre questions importantes que on estime qu'il faut se poser quand on réfléchit justement à sa stratégie de prospection. Peut-être la première, Alexis, rapidement ensemble, le sujet du market fit qui pour moi est la base. Donc,
une des raisons qui peut faire qu'effectivement la prospection ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est déjà sûr et certain que notre offre rencontre un marché? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le market fit. Donc toi, là-dessus, Alexis, peut-être, qu'est-ce que tu dirais à partir de quand, peut-être pour toi, on peut dire qu'on a validé son market fit ou quelles sont, tu vois, un peu les actions qu'on pourrait faire pour déjà s'assurer qu'effectivement notre offre rencontre bien un marché et qu'on a bien validé ce market fit, donc que notre offre rencontre bien un marché et qu'on apporte suffisamment de valeur pour des prospects ou pour des clients. Il y a plusieurs choses à partir de LinkedIn. Il y a quelque chose d'assez contre-intuitif, je pense, qu'il faut prendre en compte avant de se poser les questions de son persona, sa cible, etc. C'est de regarder un peu son flux LinkedIn, et de se dire en fait qu'est-ce qui ressort dans mon flux, quel réseau j'ai mis en place, et surtout est-ce que j'en suis pas moi-même l'esclave. Parce que souvent, en fait, on a des personnes qui délivrent du bon contenu, quelle que soit leur activité, mais qui sont esclaves de leur propre réseau, quelque part, c'est un peu paradoxal, mais qui vont pas aller chercher, finalement, leur persona, leur prospect potentiel ailleurs. Donc, une des premières interrogations qu'il faut se poser, c'est vraiment, est-ce que mon réseau est calé, finalement, sur ce que je veux atteindre, ou est-ce que je reste, finalement, dans quelque chose qui est entre pairs, qui est le piège absolu de LinkedIn, c'est de rester dans sa thématique avec des experts. Donc, c'est déjà le premier réflexe à avoir, je pense. La deuxième chose, selon moi, en fait, par rapport à ça, c'est est-ce qu'on, en dehors des contenus sur lesquels on va discuter, c'est est-ce qu'on a mis en place aussi tous les systèmes qui vont avec. On peut parler d'outils comme celui de Neodeal et de tout ce qui va aussi permettre à votre cible, une fois qu'elle a absorbé vos contenus, de savoir où est-ce que comment vous allez la closer de manière directe, mais surtout, qu'est-ce qu'elle doit faire après? Parce qu'en fait, un prospect, hein, pour trouver un peu son marché, un prospect, c'est un peu un enfant, donc il faut lui donner un peu les bonnes consignes pour savoir là où il va et ce qu'il doit faire. Donc en fait, c'est une question à la fois de construction de réseau et de système avec des outils comme celui que tu proposes. Je suis pas payé par Neodeal, hein, mais en fait, le système pour moi est extrêmement important et on a tendance à oublier un peu ces deux points. Moi, c'est les deux points sur lesquels j'insisterai. Non, mais c'est ça, c'est très intéressant. Donc, c'est qu'effectivement, quand vous êtes sur une stratégie de prospection sur LinkedIn, il y a la première chose qui est la construction du réseau. Et là, du coup, ce que t'expliques Alexis, c'est qu'il faut faire très attention sur cette construction du réseau, qu'on soit certain que ce réseau grandisse et se développe sur des personnes et des profils qui correspondent finalement à nos prospects ou à nos clients, et pas, comme tu dis, tomber dans une sorte de piège de « je parle entre experts LinkedIn, d'influenceurs » ou de choses comme ça. Et ça peut être intéressant d'un point de vue communauté, d'un point de vue échange, d'un point de vue apprentissage, mais quand on est dans un objectif business, le but, c'est d'avoir un réseau avec des personnes qui pourraient demain devenir clients. Et la deuxième chose aussi que tu évoques, et je pense que c'est effectivement assez importante, c'est pour valider son market fit, pour pouvoir essayer de justement le valider rapidement, bah un outil comme Neodeal vous permet de faire des campagnes, de tester des cibles, de voir quels sont les retours. Et donc forcément, quand on commence, il y a un moment de calibrage. C'est-à-dire quand vous lancez votre activité, vous testez vos messages, vous testez votre approche, vous testez différentes cibles. Et c'est vrai qu'en utilisant un outil, bah vous allez gagner beaucoup de temps et vous allez vous permettre comme ça rapidement de détecter « Ah, c'est bon, j'ai trouvé la bonne cible, le bon message, la bonne accroche. » Et donc, voilà, on va pouvoir avancer. Deuxième point peut-être sur les questions à se poser quand la prospection ne fonctionne pas, c'est est-ce qu'on est sûr de cibler les bonnes personnes? Tu y as déjà un peu répondu. Bon, ça fait référence pour moi derrière à la question du persona. Juste là-dessus, peut-être pour apporter un degré supplémentaire, on va dire, dans la réponse. Moi, Alexis, je pense que ça doit être un peu préparé chez toi, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Pour moi, il y a vraiment deux types de cibles. Quand on a compris qui est son persona, il y a le décisionnaire. Donc, la personne qui va effectivement valider, décider, acheter, qui va signer le contrat, qui va signer le devis. Et il y a ce que j'appelle, moi, l'utilisateur ou le bénéficiaire final qui n'est pas forcément le décisionnaire. Si je prends mon exemple sur Neodeal, les utilisateurs vont être les équipes commerciales ou les équipes marketing. Mmh. Les décisionnaires vont être le manager ou le directeur commercial marketing. Donc là-dessus, toi aussi, ça veut dire en termes de stratégie de com, et quand on dit cibler les bonnes personnes, est-ce que ça fait aussi partie des choses que tu conseilles, et peut-être du coup d'avoir une approche qui va être différente en fonction de je contacte des décisionnaires et je contacte, on va dire, des bénéficiaires qui pourraient jouer un rôle de sponsor?
Ah, complètement. Et puis après, c'est dépendant aussi du contenu, parce qu'il y a un contenu, si je vends des bureaux et des chaises, l'utilisateur final est certainement le collaborateur. Donc en fait, il va falloir que je fasse beaucoup de pédagogie pour que l'entrepreneur, celui qui fait le chèque à la fin, il puisse décider de dire, OK, ça va permettre d'augmenter la productivité, le bien-être de mes collaborateurs, je vais y aller. Donc en fait, il va falloir éduquer un peu cette cible-là. Après, il y a d'autres stratégie qu'on peut mettre en place. Moi, ce que j'appelle la stratégie un peu de la meute, c'est-à-dire que quand vous ciblez quelqu'un, il faut savoir l'entourer aussi, comme un peu comme une meute de loups, même si le parallèle est un peu dur, hein, mais c'est comme ça que je le définis. C'est-à-dire, ben, en fait, additionner aussi les personnes qui sont autour de cette cible. Vous pouvez très bien ajouter un CEO, vous dire que finalement, il communique pas assez. Ben, en fait, je vais aller choper des directeurs marketing, peut-être des sales. Et essayer d'avoir cette stratégie-là, seule ou à plusieurs, elle est pas mal. Et puis la dernière, en fait, on l'utilise beaucoup pour les grands comptes, puisque c'est un des objectifs qu'on peut avoir, c'est d'avoir une taupe. Et ça, c'est extrêmement important quand on va cibler les grands comptes, parce que les grands comptes, ben, en fait, c'est des process très longs, c'est très politique à l'intérieur. Et donc, c'est très important d'avoir quelqu'un à l'intérieur de cette entreprise qui est peut-être pas le décisionnaire, mais qui va vous rencarder sur un peu toutes les spécificités de l'entreprise et permettre un peu ça. Donc en fait, pour aller chercher finalement les bonnes personnes, ben, on peut développer ce type de stratégie, quelle qu'elle soit, de manière à permettre d'avoir la bonne personne au bon endroit. Mais encore une fois, en amont, en fait, il y aura une question de contenu aussi, hein. Comme on disait, est-ce qu'il faut que j'augmente ma valeur perçue sur mes contenus, c'est-à-dire qu'ils soient plus impactants, plus jolis, plus forts, et que ça parle à mon prospect, ou est-ce qu'il faut que je fasse de la pédagogie parce que mon prospect, justement, n'est pas assez éduqué à ça, et il a besoin de cette information pour finalement valider auprès de celui qui sera décisionnaire. Et justement, vu que tu l'abordes, voilà, la partie contenu, je pense qu'on peut reprendre peut-être la question 3 et la question 4 un peu en même temps. Personnellement, moi, je pense qu'il faut aussi être très, très clair sur quel est l'objectif de la prospection. Il ne faut pas confondre la prospection et le closing et la vente. Quand on fait de la prospection, le but, c'est de détecter parmi nos cibles des potentiels clients. Et ça, c'est très, très important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas brûler les étapes. Quand on fait de la prospection, on contacte des personnes. Par exemple, si vous faites de la prospection sur LinkedIn, vous allez cibler des personnes, vous allez leur envoyer des messages. Vous ne savez pas, a priori, un, s'ils ont un besoin, deux, si c'est le bon moment, trois, si c'est la personne est décisionnaire. Donc, vous êtes quand même un peu dans l'inconnu. Et donc, si vous brûlez les étapes, c'est-à-dire que vous commencez vos messages et qu'ils sont tout de suite trop commerciaux, trop vendeurs, et que vous êtes déjà dans une stratégie de vente, alors que la personne ne vous connaît pas, vous venez de la contacter, etc. Ça va avoir un impact sur justement la performance. Donc, quelque chose de très, très important pour moi, c'est que la prospection, votre but, c'est de détecter est-ce qu'il y a un intérêt. Et pour faire ça, le contenu quand même est un des moyens les plus efficaces puisque quand on ne connaît pas quelqu'un, quelle est la meilleure façon de démontrer son expertise, d'expliquer qui on est? C'est par la preuve et donc par le contenu, en créant des contenus qui vont susciter l'intérêt, qui vont intéresser la personne en face. Et une fois que j'ai cette preuve d'intérêt, je peux commencer à rentrer sur quelque chose d'un peu plus commercial. Mais voilà, quelque chose de très, très important de mon point de vue, c'est de ne pas confondre quel est l'objectif de la prospection. Et une fois qu'on a généré le lead, là, on rentre dans la vente et dans le closing. Mais générer un lead, c'est détecter un intérêt. Réussir à identifier parmi toutes mes cibles les personnes qui sont sensibles. Et ça, là-dessus, je pense qu'effectivement, le contenu aujourd'hui, hein, est très important. Moi, je donne aussi, bon, pour une image, reprendre une image, pas forcément celle de la meute, mais une autre image aussi que j'utilise, qui est de dire, bah, quand vous partez aujourd'hui, si on prend l'image de la prospection et de la chasse, et que vous partez à la chasse, mais que vous n'avez pas d'armes pour chasser, l'arme aujourd'hui pour moi de la prospection, c'est le contenu. Si vous n'avez pas de contenu quand vous cherchez à intéresser des personnes qui ne vous connaissent pas, soit vous avez une offre hyper sexy, hyper attrayante et juste avec l'offre, bah, ça suffit. Mais en général, ça, c'est des très grands groupes ou quand vous avez une grosse notoriété. Mais quand vous êtes en développement de votre marque, en développement de votre business, vous devez apporter des preuves. Vous devez avoir des contenus pour intéresser la personne. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alexis, rapidement, peut-être sur ces deux dernières questions avant qu'on passe à la suite pour clôturer un peu cette première partie d'introduction? Sur le contenu, oui, ben complètement. Je vais me faire un parallèle étude de cas. Je me souviens il y a quelques semaines avoir été contacté par un grand compte et donc qui m'expliquait qu'ils recherchaient finalement. Ils avaient essayé de contacter. J'aimais bien l'approche contacter LinkedIn en fait. C'était la phrase qu'ils m'ont sortie. Donc LinkedIn
aux abonnés absents, en fait. C'est pas un service qu'on contacte pour avoir des experts à disposition. Et du coup, j'ai demandé, en fait, de quelle manière ils étaient revenus finalement vers moi. En fait, c'était le contenu. Et 80% des gens qui viennent vers vous viennent généralement par votre contenu. Donc, c'est de l'assurance, de la réassurance, etc., de la répétition. C'est l'effet cumulé qui fait que ça va emporter finalement la mise. Donc, il y a un effet de régularité à avoir. Et évidemment, il faut savoir à qui vous adressez. Et puis après, pour rebondir sur un dernier point et à l'envers, par contre, sur le contenu, c'est aussi votre capacité à identifier dans vos personas eux-mêmes leur propre contenu. Donc, en fait, il y a aussi une logique d'interaction aussi que vous devez avoir dans le contenu des autres. Je ne parle pas que sur des experts, mais sur des cibles. Et c'est aussi une approche à avoir auprès d'eux, c'est de savoir interagir et de savoir utiliser dans vos messages de prospection leur propre contenu pour comme brise-glace et servir d'amorce pour déclencher une discussion. Et ça peut être intéressant aussi. Écoute, merci beaucoup, Alexis. Très clair. Donc, voilà. Retenez qu'aujourd'hui, quand vous faites stratégie de prospection, vous devez avoir des contenus sous la main pour vous faciliter, justement briser la glace, gagner la confiance, détecter le lead. En gros, aujourd'hui, un message du type « Bonjour Alexis, je suis le fondateur de NeoDeal, on a un logiciel qui vous aide à prospecter sur LinkedIn », c'est bien, mais c'est mieux d'accompagner ça avec une vidéo, un contenu, un livre blanc, des conseils, des choses pour aider, éduquer, apporter de la valeur à sa cible. Donc, je te propose du coup d'avancer sur la deuxième thématique. C'est OK, on a compris que c'est important d'avoir des contenus dans sa stratégie de prospection. Et là-dessus, c'est aussi de dire qu'on parle souvent du contenu dans des stratégies inbound. Mmh. Donc l'inbound, c'est de la publication de contenu, c'est de la rédaction sur son blog, c'est de la rédaction sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est intéressant en prospection, c'est de capitaliser sur ces contenus qui sont créés. C'est quand même dommage. Vous passez du temps à créer des beaux contenus que vous mettez sur votre blog, sur LinkedIn, etc., et vous ne les utilisez pas, ces contenus, pour, quand vous avez une approche directe, contacter les personnes et justement leur partager ces contenus-là. Donc là, l'idée quand même de fond de ce webinaire, c'est de vous dire capitalisez sur la création de contenu que vous faites en interne et servez-vous de ces contenus-là à bon escient pour intéresser vos différentes cibles. Et donc, la question qui arrive très vite, Alexis, c'est oui, d'accord, OK, j'ai compris, il faut faire des contenus, mais comment trouver des idées de contenu efficaces? Et pour moi, là-dessus, il y a deux sujets. Il y a déjà le fond, et après, on va parler la forme. Mais déjà, comment avoir des bonnes idées de contenu à créer ou à développer, c'est-à-dire des contenus qui vont intéresser ma cible. Hein. On part du principe, bien sûr, le but, c'est d'intéresser sa cible. Donc, pour moi, là-dessus, il y a deux stratégies, un modèle un peu que je propose. Et après, Alexis, je t'invite à réagir et à nous partager toi aussi peut-être tes conseils sur des idées pour créer des contenus. Mais vous pouvez vous mettre à la place de votre client et pour moi, vous poser une question très simple qui est « Ma mission sera accomplie lorsque… » Vous êtes à la place de votre client et vous dites « Ma mission sera accomplie lorsque… » Et quand vous terminez cette phrase, ça vous donne des idées de contenu. Donc, par exemple, si je cible des business développeurs et je me mets dans la peau d'un business développeur, « Ma mission sera accomplie lorsque mon agenda sera rempli de rendez-vous. » OK ? Donc, c'est une des réponses possibles. Mais après… Il y en a plein d'autres. Hein. On peut terminer la phrase avec plein d'autres exemples. Et en fait, cette fin de phrase, donc mon agenda sera rempli de rendez-vous, c'est quelque chose qui va me permettre d'avoir une idée de contenu. Donc, par exemple, je vais pouvoir créer derrière un contenu une vidéo qui va, par exemple, dire comment LinkedIn remplit mon agenda de rendez-vous en 5 étapes. Et ce contenu-là, je vais le partager du coup à ma cible. Donc ça, pour moi, c'est première méthode. Vous vous mettez à la place de votre client et vous commencez cette phrase. Ma mission sera accomplie lorsque… Et quand vous la terminez, ça vous donne des idées. Et la même façon de travailler, mais avec une approche différente, c'est l'approche plutôt des défis. Vous vous mettez toujours à la place de votre client et vous vous demandez « Mon travail me prendrait moins la tête si… » Et pareil, quand vous terminez cette phrase, ça vous donne des idées de contenu. Donc, par exemple, « Mon travail me prendrait moins la tête si mes messages de prospection étaient plus efficaces. » Et là, je vais par exemple faire un livre blanc, 5 astuces pour des messages de prospection plus efficaces et par exemple, intégrer des contenus dans vos messages de prospection qui fait partie des astuces pour avoir une prospection plus efficace. Donc, voilà pour moi un modèle assez simple qui vous permet de réfléchir, de faire un peu de brainstorming pour avoir des idées de contenu et que vous puissiez ensuite développer ces contenus. Toi, Alexis, là-dessus, sur cette méthode et peut-être toi, est-ce que tu as d'autres méthodes ou d'autres conseils aussi que tu recommandes dans comment trouver des idées, comment sur le fond avoir des bonnes idées de contenu? Alors, pour avoir,
Je vais déjà rebondir un peu sur ce que tu disais, enfin, aller dans le sens de ton message, que je trouve intéressant parce que là, on parle un peu de contenu et de prospection ensemble. Ce qui va être intéressant dans la prospection, c'est par rapport au message, c'est vraiment d'avoir un condensé réduit. En fait, votre prospection, vous devez l'imaginer aussi comme quelque chose de moins de 300 caractères. Donc ça, c'est une amorce de prospection qui va être quelque part aussi abondé par le contenu que vous allez ajouter dans ce message, parce qu'on peut aussi rajouter un lien. Et pour répondre à ta question, pour trouver des idées de contenu, évidemment, en fait, la règle que tu as donnée, c'est la meilleure. Ça paraît bête comme conseil, mais en l'appliquant, en se disant tout simplement, voilà, je dois m'adresser à ma cible, je me mets à la place de cette cible-là, c'est une façon aussi déjà de casser tout ce qui est de l'ordre d'une expertise beaucoup trop froide. De casser tous les mots qui sont compliqués, d'apporter de la pédagogie quand votre marché demande de la pédagogie. Donc, on parlait de market fit au départ, mais quand votre marché n'est pas assez mature, vous sentez que l'audience que vous visez ne comprend pas tout à fait les enjeux, etc. Donc, il faut apporter énormément de pédagogie. Et c'est là où vous allez trouver finalement des idées. C'est de vous mettre en face dans la tête que votre cible, encore une fois, moi, je prends souvent ce parallèle-là, est un enfant. Et donc, il faut lui expliquer à hauteur d'enfant ce qu'il doit comprendre. Ça, c'est une première chose. Et si votre marché est extrêmement mûr, parce que vous êtes dans le marketing, la communication notamment, où tout a été dit, tout est disponible, à ce moment-là, il va falloir augmenter votre valeur perçue, donc la qualité de votre contenu. Donc là, il va falloir aller peut-être sur des formats plus ambitieux, mais qui ne soient pas chronophages pour vous. Donc ça, c'est une façon de faire aussi. Et puis après, si on prend des choses beaucoup plus basiques, en dehors des outils qu'on peut utiliser, il y a quelque chose qu'il faut absolument faire, moi, que je fais souvent, c'est d'aller regarder les commentaires dans ma thématique. Pas forcément sous mes posts, mais aussi sur d'autres, parce qu'en fait, dans les commentaires, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de questions qui vont être posées, notamment quand il y a évidemment un volume assez important, et qu'on peut reprendre. Tout à l'heure, je regardais un contenu sur le marketing et la communication, j'ai vu un commentaire et ça m'a donné l'idée d'un contenu, parce que je me suis dit, tiens, la personne avait une question. Et la question, c'était, comment faire pour communiquer auprès de ma cible si elle-même n'est pas active? Et je me suis dit, là, il y a une idée de contenu à créer. Et ça, ce n'est pas une idée que j'ai trouvée tout seul, c'est une question qui a été posée dans un commentaire. Donc, étudiez aussi les experts de votre domaine, regardez les commentaires et vous allez trouver aussi des idées de contenu par rapport à l'audience. Hyper intéressant, effectivement, de faire de la veille sur ce qui se dit, ce qui est commenté, d'analyser les questions qui sont posées autour de votre expertise. Et c'est vrai que de tout simplement, alors, rebondir sur ces questions, voir les questions qui ressortent le plus et justement utiliser ces questions-là pour y répondre en créant des contenus, effectivement, c'est une très très bonne méthode. Notamment aussi si vous faites de l'écoute client, ça peut être aussi une pratique où vous travaillez directement avec vos clients ou vos prospects. Quand vous faites des rendez-vous prospects, quand vous faites des rendez-vous clients, les questions que se posent ces personnes-là, vous pouvez avoir la garantie que si ces personnes-là se posent la question, les autres se posent à peu près les mêmes questions. Donc, ça peut aussi effectivement être un levier pour vous donner des idées de contenu. Ok, donc c'est bon, j'ai une méthode, j'ai trouvé un peu les, voilà, j'ai défini des contenus que j'ai envie de créer. Et puis une fois que j'ai le fond, il y a aussi la question de la forme. Donc aujourd'hui, quelles sont les meilleures formes de contenu à partager? Là, j'en mets en avant quelques-uns. Donc les livres blancs, les business cases, ça va être des documents que vous allez créer. En gros, en général, c'est un PDF de entre 15 et 20 pages où vous allez apporter de la valeur et que vous allez offrir à vos cibles. Sinon, vous avez la partie webinaire, vidéo, démo, un peu à l'image de ce qu'on fait aujourd'hui avec Alexis, où vous allez pouvoir exprimer, prendre la parole sur une thématique qui intéresse vos prospects, vos clients, apporter de la valeur, vous faire connaître. Tu me diras ton avis après, toi, Alexis, mais pour moi, c'est un des moyens aujourd'hui les plus efficaces dans le B2B pour justement un peu briser la glace, pour pouvoir se faire connaître et échanger avec des personnes. Et puis, il y a deux autres, on va dire, parties que personnellement, moi, je juge assez intéressantes. C'est la partie études et sondages. De pas hésiter à faire des études, des sondages, à poser des questions à vos cibles. Ça vous permet de créer du lien, d'avoir leurs réponses justement et d'entamer des discussions. Et puis enfin, il y a le format podcast aussi qui est assez à la mode, qui fonctionne assez bien, bon, qui demande un peu de travail quand même et il faut quand même le diffuser aussi après le podcast. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu quelques idées de formes de contenu qui sont à mon avis intéressantes. Toi peut-être, Alexis, sur ça, sur cette partie, est-ce qu'il y a une forme que tu penses aujourd'hui être la plus efficace, bon, même si bien sûr ça va dépendre de vos cibles, de votre activité, mais de façon globale, est-ce que toi tu as quand même quelques conseils sur la forme? Est-ce que tu en as d'autres peut-être que par rapport à ceux que je présente qui, de ton expérience, sont aussi pertinents?
Alors, bah, déjà, tout ce que tu présentes ici sont d'excellentes stratégies. Elles n'ont pas tout à fait le même but et il faut savoir les apprivoiser en fonction, encore une fois, comme tu dis, de l'objectif et du temps. Si on prend le livre blanc, le PDF, le lead magnet, appelons-le un peu comme on veut, il va servir effectivement à appuyer une expertise. Par contre, il va falloir le travailler avec des séquences mail derrière. Parce qu'en fait, quand les gens vous téléchargent un livre blanc, ben en fait, derrière, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est aussi cette stratégie-là qu'il faut savoir mettre en place. C'est comment j'amène les personnes aussi vers mon offre par rapport à ça, une fois que j'ai récupéré toutes ces informations. Si je prends l'étude de cas, je vais plutôt l'utiliser en prospection. Encore une fois, en utilisant, par exemple, un outil comme NeoDeal, c'est-à-dire dans mon message de prospection, je vais utiliser mon étude de cas pour utiliser, finalement, cibler un prospect potentiel en lui expliquant que avec cette entreprise, on a atteint tel objectif et donc ça peut peut-être l'intéresser. Par contre, et je te rejoins, ce qui close le plus, ça reste quand même le webinaire parce que quand il est fait de manière répétée, parce que les humains adorent les humains. Donc en fait, quand on voit des gens, ça donne plus envie d'aller vers eux directement parce qu'on voit comment ils s'expriment, ce qu'ils apportent comme valeur, comme conseil. Donc ça, c'est extrêmement important de travailler sur ce point-là. Après, si on devait en rajouter un autre, c'est la capacité à faire des médias. Nous, c'est ce qu'on fait dans notre agence, créer un média vidéo qui se répète, mais ça demande effectivement un concept, un point de vue, une répétition, une logistique et une réalisation. Mais en tout cas, ça vous fait passer un cap parce que dans l'identification par rapport à votre marché, eh ben, vous êtes celui qui est capable d'aller à ce niveau-là et là, ça rassure totalement vos prospects. Donc, toutes ces solutions sont excellentes. Après, il faut voir de quelle manière vous pouvez les articuler en fonction du temps et des objectifs que vous êtes définis. Ok, top. Du coup, effectivement, je te rejoins. Et d'ailleurs, pour info, nous, on avait fait un concept justement sur YouTube qui a hyper bien marché, qui s'appelait le LinkedIn Challenge, où on invitait justement des personnes, donc sur un format, comme tu dis, Alexis, donc il faut vraiment penser format, épisode, etc. Et on a pu générer sur un épisode, par exemple, jusqu'à 20 000 vues sur YouTube, qui pour on va dire, un format sur une expertise prospection LinkedIn sur YouTube, c'est quand même un score très, très intéressant. Donc d'ailleurs, bah, n'hésitez pas, hein, à aller voir sur notre chaîne YouTube NeoDeal si ça vous intéresse. On partage un maximum de best practices et on met notamment tous nos replays webinaires. Donc le webinaire qu'on est en train de faire aujourd'hui, il sera aussi disponible très rapidement sur notre chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et effectivement, la partie vidéo format et peut-être même chaîne YouTube de façon un peu plus globale, doit faire partie aujourd'hui de votre réflexion, même si vous êtes dans du B2B, hein. On n'est pas que sur des stratégies aujourd'hui B2C. Très bien. Et puis, bah, écoute, dernier sujet que du coup on va aborder ensemble avant de prendre des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Là, on va aborder la dernière partie, puis ensuite on gardera un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez. Donc, Alexis, ok, j'ai trouvé mes idées de contenu, je les ai créées. Maintenant, la dernière question, bah, c'est finalement comment je vais pouvoir les intégrer dans ma stratégie de prospection. Donc, ça, là-dessus, pour donner un exemple concret d'effectivement campagne qu'on réalise nous sur LinkedIn avec notre solution. Donc NeoDeal va vous permettre de programmer des campagnes qui sont exécutées sur LinkedIn. Donc, ça va être envoyer des messages aux bonnes personnes sur LinkedIn. Et nous, ce qu'on recommande, c'est une séquence de 3 messages avec au centre de cette séquence, donc sur le message numéro 2, un contenu. Justement, c'est de bien choisir le contenu qui va intéresser sa cible et de le partager. Donc, l'intérêt, c'est ensuite, comme tu l'as dit, dans son message, de façon assez courte, rapide, d'intégrer ce contenu pour que la personne, peut-être qui a un peu des doutes ou vous connaît pas, avant d'engager la discussion avec vous, ait un minimum d'informations, de contenu et puisse juger, entre guillemets, de la valeur ajoutée ou de votre expertise. Donc, toi, aujourd'hui, Alexis, j'imagine que tu capitalises avec tes clients entre, d'un côté, la partie inbound, c'est-à-dire création de contenu, partage de contenu sur blog, site, réseaux sociaux, et également des réflexions sur, OK, comment ces contenus, je vais pouvoir aussi l'utiliser dans une approche un peu plus directe sur LinkedIn. Complètement, que ce soit pour nous ou pour des clients, dans cette partie prospection, on peut très bien avoir un contenu. Je me souviens d'un contenu d'une cliente qui était un contenu post vidéo, c'est-à-dire bah, c'est un post LinkedIn. Donc là, en fait, tout l'intérêt, c'est de capitaliser en amont sur des likes et des commentaires de votre audience proche, qui ne sont pas des prospects. Et une fois que le poste est bien gonflé, en fait, on s'est servi de ce poste-là pour aller prospecter massivement à peu près 200 contacts. Il y avait 50% de contacts qui ont répondu à l'invitation, mais surtout, en fait, ça a déclenché derrière du rendez-vous direct. Donc, en fait, pourquoi? Parce que la personne était assez experte et puisque le contenu, justement, dans la prospection, moins de 300 caractères, comme tu l'as souligné,
servait justement à combler finalement le déficit de connaissance de la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre message doit être court et simple, et donc ça veut dire qu'il va être comblé par un autre lien, typiquement un post, qui va faire la suite. En fait, il va expliquer globalement de quoi on parle, de qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle propose et quelle est sa valeur en fait sur son marché. Et donc ça, c'était intéressant. Après, il y a une autre astuce. Je me permets, je vois que le temps se déroule, mais je me permets, qu'il y ait une étape de pré-prospection. Tu l'as souligné au départ, c'est d'utiliser aussi le sondage, par exemple, sur LinkedIn, et donc de l'utiliser comme étape de pré-prospection. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous posez une question à votre cible, vous allez vous servir des résultats et vous allez l'aborder encore une fois comme brise-glace par rapport aux résultats qu'elle a évoqués pour l'amener sur autre chose. Donc là, on a besoin de plusieurs séquences de messages, mais c'est une possibilité aussi de faire de la pré-prospection sur des prospects si vous vous sentez moins à l'aise ou si vous avez envie de l'aborder un peu différemment. Donc voilà un peu les deux techniques qu'on peut partager sur ce point de prospection. Oui, et puis pour aller dans ton sens aussi là-dessus, je pense que ça peut être aussi très intéressant de, quand vous avez créé des contenus, de commencer par les publier. Et en fait, le nombre d'interactions et la viralité que vont générer votre contenu peut aussi vous donner, du coup, vous, une idée sur, ah, ok, bah, par exemple, j'ai 5 contenus, je les ai publiés, je vois que j'ai 2 contenus qui ont particulièrement bien marché. Donc, a priori, il y a une bonne réception, on va dire, de votre marché ou de vos cibles sur ce contenu-là. Et ça peut être un indice, justement, quand vous réfléchissez à quel type de contenu je peux utiliser dans ma prospection, bah, de regarder parmi les contenus que vous avez publiés, ceux qui ont le mieux fonctionné et capitaliser encore une fois dessus. Donc, c'est vraiment, les deux sujets sont complémentaires. La partie inbound, la partie outbound, la partie publication, la partie prospection. Il y a des ponts vraiment et des liens qui peuvent se faire entre les deux. Et ça peut vous donner des indications, que ce soit par le sondage, comme tu viens d'expliquer, mais même tout simplement quand vous postez des choses sur LinkedIn, le nombre de réactions et d'interactions vous montre est-ce que c'est une thématique importante, intéressante, sur lesquelles, justement, votre audience recherche de l'information et donc que vous pouvez vous en servir pour la partager. Écoute, top. Et puis, dernière chose aussi, donc il y a une approche aussi, moi, que je pense très intéressante, plus dans une stratégie qu'on appelle, nous, de lead nurturing. Donc, sur LinkedIn, le premier objectif, c'est, un, de développer votre communauté, donc d'engager des relations avec des personnes qui correspondent à votre cœur de cible. Une fois que ces personnes ont rejoint votre réseau sur LinkedIn, moi, je dis toujours sur LinkedIn, c'est comme dans la vraie vie, il faut entretenir son réseau. Si vous entretenez pas votre réseau sur LinkedIn, il n'y aura pas de magie, hein, si vous voulez générer un maximum de leads et de prospects. Il faut que vous ayez un travail de suivi et d'entretien de ce réseau. Et une bonne façon de le faire, c'est nous ce qu'on recommande, par exemple, une fois par mois, de relancer, d'envoyer un message à votre audience avec un contenu, justement. C'est-à-dire d'être dans une stratégie qu'on appelle, nous, de lead nurturing, où en fait, vous allez apporter de la valeur une fois par mois, partager un contenu, partager un webinaire, partager un livre blanc à votre audience pour, un, que la personne se souvienne de vous, et que deux, quand elle a le besoin, parce que quand vous faites de la prospection, peut-être que la personne en face, c'est pas le bon moment. C'est pas qu'elle n'est pas intéressée par ce que vous faites. C'est juste qu'on est tous entrepreneurs ou voilà, on a tous des fonctions, des choses à faire. C'est peut-être tout simplement pas le bon moment. J'ai d'autres priorités, mais le sujet m'intéresse. Donc, si vous ne faites pas ce travail d'entretien, vous allez perdre du lead. Donc, le contenu aussi dans votre stratégie de prospection est très utile justement pour cet entretien et ce suivi de votre réseau. Et donc, bah, notamment avec NeoDeal, vous allez pouvoir, nous, ce qu'on recommande, une fois par mois, partager justement un contenu. Là, je vous ai mis un exemple d'un contenu qui a justement très, très bien marché quand on l'a publié sur LinkedIn et qui vise aussi maintenant en termes de prospection, qui est un fichier Excel dans lequel on a listé tous les bons mots-clés pour faire des bonnes recherches sur LinkedIn. D'ailleurs, si ce fichier Excel vous intéresse, dites-le nous en commentaire, on sera ravis de vous le partager. Et on se sert du coup de ce fichier comme brise-glace pour quand on entretient justement les relations, pour maximiser les nombres de réponses et générer du lead. Toi, Alexis, aussi en termes, on va dire, plus de lead nurturing, donc première phase, je développe mon réseau, deuxième phase, j'entretiens mon réseau. J'imagine que tu as aussi un peu cette approche. Et complètement, toi, qu'est-ce que tu... et complètement, parce que comme tu disais, c'est que déjà vos prospects, en fait, ils sont déjà là. En fait, souvent, ils sont dans votre messagerie privée, sauf que, comme tu disais, c'est peut-être pas le bon moment de les contacter. Servez-vous aussi de vos contenus comme relance et voir, il y a une petite astuce moi que j'utilise surtout quand on a un compte LinkedIn gratuit, c'est de faire une fausse signature LinkedIn. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un message de relance pour un prospect et mettre un lien vers un post
comme si c'était une signature d'email, parce qu'il n'y a pas possibilité quand on n'a pas de compte premium. Bref, et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez reprendre contact avec la personne et va s'afficher en grand le message que vous voulez valoriser. Et souvent, en fait, les personnes rebondissent sur ce lien-là, en plus du message que vous l'avez renvoyé. Donc voilà, pensez à des nouvelles séquences, comme tu le rappelais, plus tard, parce que c'était peut-être pas le bon moment, et utilisez vos contenus comme vraies fausses signatures de messages dans LinkedIn pour pouvoir les relancer autour de ça, avoir un intérêt quelque part commun autour d'une thématique. Et je pense que c'est aussi très très important quand vous êtes dans un travail d'entretien et de relance de votre réseau, pour ne pas spammer et pour ne pas, pour être très clair, saouler votre audience, c'est encore plus important, je veux dire, que dans les premiers messages, de vraiment apporter de la valeur et apporter des contenus. Pour pouvoir entretenir la relation et pour pouvoir justement éviter de saouler votre audience, pensez encore une fois comment vous pouvez les aider. Voilà, j'ai envie de dire, après tu vas me dire c'est basique Alexis comme conseil, mais c'est vraiment là pour moi le fondamental dans le marketing, c'est comment je peux aider mon audience. Sur l'exemple là du fichier Excel, à la base ce fichier Excel je l'avais fait pour moi, pour me faciliter mon travail de prospection sur LinkedIn, et je me suis rendu compte que ça pouvait aider tous les autres, on va dire, sales ou marketeurs qui sont sur LinkedIn. Donc très souvent, il y a des choses que vous faites pour vous-même, donc que vous avez déjà finalement créées pour vous-même et qui peuvent intéresser des personnes qui vous ressemblent ou qui peuvent intéresser votre cible. Donc, d'être toujours aussi dans cette réflexion, comment je peux aider ma cible, et quand je dis comment je peux aider, ce n'est pas comment je peux vendre mon produit. C'est deux questions très différentes. Hein. C'est là où parfois c'est difficile, mais comment vous pouvez aider votre cible, parce qu'à partir du moment où vous aidez votre cible, il y a aussi une relation de quand on m'aide, j'ai envie, enfin, je suis plus ouvert pour aller dans l'autre, pour répondre et pour aller dans l'autre sens également. Donc, toi aussi, Alexis, j'imagine peut-être juste pour finir sur ces stratégies de contenu, dans le fond, toi aussi, si tu as peut-être un conseil, tu vois, ou quelque chose d'important que les personnes qui sont présentes pendant ce live doivent absolument retenir quand ils pensent à cette partie création de contenu et intégration des contenus, tu dirais que, voilà, s'il y a une phrase, toi, tu dirais que c'est quoi pour toi le plus important qui permet d'aller chercher de la perf? C'est de ne pas parler à ses pairs. Ah, moi, c'est un truc qui est récurrent pour moi. Ouais, complètement, parce que je vois le piège, en fait, à chaque fois, quoi. Se refermer sur les personnes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une bulle d'autosuffisance dans laquelle on peut être piégé, parce qu'en fait, on se parle entre nous. Et donc, du coup, c'est de se dire, non, je ne parle pas à eux. Je parle à des gens qui sont dans un autre secteur, parce que c'est ma cible. Et donc, c'est ça qui est important. Donc, je me mets à cette place-là. Qu'est-ce qu'il doit comprendre? Qu'est-ce qu'il doit recevoir comme information? Et comment je lui transmets tout ça? Voilà. Donc, ne parlez pas entre vous, parlez à l'extérieur. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup, Alexis, pour ton conseil et puis pour ton partage là, durant ce live. Donc, on arrive sur la dernière partie de questions-réponses. Donc, c'est le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De ce que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat. Donc, je vais partir du principe que c'est parce qu'on a été hyper clair avec Alexis. Donc, peut-être en attendant que vous nous posiez quelques questions, Alexis, toi, aujourd'hui, dans ton expertise en termes de prospection sur LinkedIn, est-ce que tu as aussi remarqué, peut-être que ça vous permet d'ouvrir sur une autre thématique en attendant s'il y a des questions qui arrivent, mais l'importance aussi d'avoir une image sur LinkedIn, c'est-à-dire de poster régulièrement, d'avoir une stratégie de partage de contenu, puisque moi, je dis souvent, quand vous allez contacter quelqu'un sur LinkedIn, la première réflexe de la personne, ça va être quoi? De regarder votre profil. Donc, c'est très important que votre profil soit bien travaillé et que vous soyez actif sur LinkedIn pour que vous ayez une bonne image. Toi, Alexis, j'imagine que c'est ce que tu proposes en plus hein, dans le cadre de ton agence et de ton accompagnement. Mais est-ce que du coup, voilà, c'est quelque chose que tu vas recommander aussi d'avoir ces deux parties, de bien travailler son image, comme on l'a dit, d'avoir une stratégie de prospection avec des contenus. Comme ça, il y a une cohérence d'ensemble en fait. Et quand je vais regarder le profil de la personne, ça va me rassurer. Complètement, parce que votre contenu attire. Donc en fait, il faut, on va pas réinventer les choses. Hein. Il faut avoir cette régularité. Il y a des étapes qui sont un peu compliquées. Hein. Des fois, ça prend 3 mois. Des fois, ça prend 6 mois. Donc il y a cette régularité et ce contenu, finalement, il sert aux personnes à arriver sur votre profil. Et ce profil aussi, il vous permet aussi de closer. Donc en fait, c'est comment vous mettez aussi à jour votre profil avec vos contenus, notamment quand vous utilisez le mode créateur. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde perçoit ici et comprend. Et donc, du coup, il faut savoir être flexible aussi sur votre profil par rapport au contenu que vous voulez mettre en avant pour votre cible. Et ça, c'est très important. Alors, justement, j'ai une question de Frédéric. Merci, Frédéric, pour ta question. Alors, donc tu te lances en tant qu'assistante en freelance et tu veux créer une étude de marché à diffuser sur LinkedIn. Donc, on l'a dit, l'étude de marché fait partie des formes de contenu assez intéressantes et efficaces.
Alors, ton objectif à la fin, c'est de récupérer les coordonnées de potentiels clients. Alors, je pense que peut-être là, voilà, justement, en termes d'objectifs, il faut y aller étape par étape. Toi, Alexis, sur les sujets études de marché, sondage, quels sont peut-être toi tes recos sur LinkedIn pour être efficace? Donc, j'imagine il y a la partie, bien sûr, publication, mais peut-être aussi dans une approche de prospection, hein, de prise de contact direct avec ta cible pour les inviter à répondre à un sondage. Voilà, quels seraient toi tes conseils pour Frédéric? Alors, je découperai évidemment les choses, hein. Il y a une étape de pédagogie par rapport, encore une fois, à la recherche de leads qualifiés, enfin, de bons prospects. Donc, en fait, il faut déjà amorcer plutôt des messages type qui vont pouvoir, sur la cible, pouvoir l'éduquer par rapport au sujet. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, entre-temps, ça peut être la possibilité, on parlait de livre blanc, de créer au moins un document pour pouvoir récupérer un peu des données un peu plus qualifiées. Et l'étape intermédiaire entre les posts et le livre blanc, le sondage. Mais le sondage, il y a deux façons de le faire. Soit vous faites des sondages très ouverts, et à ce moment-là, vous avez une partie, alors vous avez beaucoup de volume, mais des fois, il y a des touristes. Soit justement, si vous êtes sur une thématique très précise, typiquement avec une étude de marché, moi, je dirais qu'il faut faire des sondages très chiants même, des fois. J'utilise ce terme à bon escient, très technique, très chiant, qui évite justement d'avoir ces fameux touristes et donc vont finalement se mettre à voter et à se positionner les personnes qui seront intéressées par la thématique. Donc, le sondage peut être une solution. Et là, à ce moment-là, vous allez utiliser la prospection par la suite, puisqu'une fois que les gens ont voté, vous allez les retaper en privé, comme on dit, hein, et donc du coup aller et donc du coup les amener peut-être sur votre livre blanc en disant bah voilà, tu as voté pour telle solution. Moi, si tu veux, j'ai un contenu additionnel, je peux te le partager. Ne jamais mettre le lien. Je vais aller jusqu'au bout du schéma. Je me permets, Lucas, de jamais mettre le lien directement de livre blanc. Toujours demander l'autorisation parce que c'est le meilleur déclencheur derrière. Exactement. Et puis moi aussi, peut-être un dernier conseil sur la partie un peu sondage. Moi, ce que je vous recommande, si vous voulez justement récupérer les coordonnées et avoir une relation avec les personnes qui répondent au sondage, c'est de leur préciser qu'en répondant au sondage, à partir du moment où quelqu'un répond au sondage, vous lui transmettrez les résultats. Parce que ce qui va intéresser aussi la personne qui participe au sondage, c'est de savoir ce que pensent les autres. Donc dans votre approche, par exemple, d'un message sur LinkedIn, voilà, c'est Frédéric, si je reprends ton exemple, ce serait bah, bonjour, bonjour Alexis, je suis en train de faire un sondage sur telle thématique, voici le lien pour que vous puissiez y répondre, et sachez que bah, à partir du moment où vous avez répondu au sondage, je vous donnerai les résultats. Donc ça, c'est très, très intéressant et très important. Et puis, il y a un point qui est important sur le sondage, c'est qu'il y a une notification quand il est fini. Quand les personnes, c'est là où c'est bien, quand les personnes ont voté que le sondage est clos, tout le monde reçoit une notification, tous ceux qui ont participé. Donc, en fait, il y a vraiment un intérêt quand on le construit bien. Bah écoutez, parfait. Donc, j'ai une question de Bruno. J'allais conclure, mais on va prendre peut-être la question de Bruno. Alexis, je te laisse peut-être y répondre vu qu'il te pose la question directement. Bah, en fait, j'ai deux types de cibles. Moi, je fais un entonnoir différent. C'est que je prends pas mal d'entrepreneurs, moi, pour les coacher et les accompagner. Et après, les grands groupes, oui, on va les accompagner avec l'agence directement. Donc, je m'adresse un peu aux deux. Alors, c'est pas très bien de dire ça en plus en live, en direct, dire, t'as deux cibles, tu fais le grand écart. Mais naturellement, en fait, on peut être amené à travailler sur deux types de prospects, puisqu'on parlait de ça au début. Donc, la question, j'espère que j'ai répondu à la question. Je Je pense, relis la question, effectivement. excuse-moi. Écoute, bah merci, merci beaucoup Alexis, en tout cas d'avoir accepté l'invitation et d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir partagé un maximum de bonnes pratiques. J'en profite pour bah, saluer tout le monde, vous remercier aussi bah, de votre participation et de votre suivi. Il y aura un replay du coup du webinaire qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous invite également à aller consulter bah, du coup notre site NeoDeal si vous cherchez un outil pour vous aider dans ce travail de prospection et utiliser les bons conseils qu'on a vus aujourd'hui pour diffuser vos contenus à un maximum de personnes. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt pour un prochain live. Encore merci Alexis, je te laisse peut-être le dernier mot Alexis. Ah bah, merci beaucoup. Alors, partagez du contenu. Maintenant, on n'attend que ça. Pas de sondage à fond, mais du contenu. Beaucoup de contenu. Merci beaucoup, Ça Lucas. marche. Et Merci merci Astrid. Alexis. Merci Merci à Astrid. tous. Oui, et merci à Astrid. Astrid qui est en coulisses, qui est là, qui gère le chat, qui nous fait passer les messages. Donc merci beaucoup à Astrid. Merci à tous. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye bye. Merci Ciao. beaucoup. Au revoir.